Je suis dans les beaux jardins de l'hôtel. J'aimerais ça vous parler un peu de la présentation que j'ai faite. Évidemment, j'ai présenté sur le journal créatif, mais j'ai pris l'angle de la paix. Ma présentation s'appelait « The peace we are », la paix qu'on est, de notre véritable nature, enfin, je pense. Et c'était une présentation sur comment le journal créatif peut nous aider à être plus en paix. Donc, j'ai présenté certaines notions même de neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, puis deux auteurs que j'aime beaucoup qui parlent de la paix en lien avec ce qui se passe dans le cerveau. Et ensuite, on a fait des invitations créatives avec des exercices de journal créatif qui permettent de sentir. Il y en avait un, c'était avec le voile, traverser le voile de toutes les histoires qu'on se raconte, puis sentir la paix qui est derrière. Il y avait un exercice sur la nature, comment la nature a quelque chose de très tranquille, on peut se connecter puis retrouver notre nature. Il y avait quelque chose sur la paix avec les autres, et il y avait quelque chose avec répandre la paix dans le monde. Donc c'était ça, en gros, mon thème. Ça m'a beaucoup... c'est un thème qui m'inspire beaucoup en ce moment, un peu nettoyer toute notre personnalité, notre ego, puis se connecter avec notre vraie nature. D'ailleurs, le thème de la conférence, ça s'appelait « Coming Home ». Puis ce qui est amusant, c'est que sur les plaques d'immatriculation à Terre-Neuve, leur petit slogan en bas, c'est « Come Home ». Donc c'est vraiment venir chez soi, puis on peut prendre du côté métaphorique, venir chez soi dans le pays d'où on vient, mais venir chez soi vraiment dans notre véritable présence, dans notre véritable nature. Donc j'ai traité ça un peu de toutes sortes de façons dans le journal, ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi participé à plusieurs ateliers et présentations par jour. Et c'est toujours très stimulant. Il y en a deux que je retiens en particulier. Il y avait des liens avec ce que je fais, avec le cerveau, tout ça. Il y en avait une qui était sur le système nerveux. Puis la personne, elle faisait comme quatre petits personnages avec nos quatre mécanismes de survie. C'était super intéressant. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Puis l'autre, c'était ça s'appelait Expressive Therapies Continuum. C'est une théorie en art-thérapie sur le continuum. Quand on travaille avec les médiums, quel médium nous amène plus dans l'affectif, quel médium nous amène plus dans le cognitif. Ils faisaient des liens avec ce qui se passe dans le cerveau. C'est passionnant. Donc, je vais continuer ma recherche un peu là-dedans, puis peut-être qu'il y aura quelque chose qui sortira de tout ça. Mais c'est ça, la beauté de participer à des événements comme ça. On rencontre des collègues, on rencontre des gens qui font de la recherche dans d'autres domaines, puis on s'inspire les uns les autres, les unes les autres. Donc, c'est vraiment... un bel événement ici à Saint-John, Terre-Neuve. Bien contente d'être venue et on verra ce qui sort de tout ça. So